qui sort le chien? C'est le dog de Babou. Il est disponible en deux versions, le doggy électrique et le dog non électrique. Tous deux sont dotés d'une rampe pratique qui permettra à votre compagnon à quatre pattes de monter et descendre tout seul. Avec ses œillets pratiques dans le bac, vous pourrez facilement attacher la laisse du chien. La sécurité avant tout. Lorsque vous commencez à pédaler avec le Dog-E, vous sentirez immédiatement l'assistance au pédalage se mettre en marche. Un simple petit coup de pouce. Pédaler plus fort ou plus doucement, le dérailleur du Dog-E vous permettra de passer les 7 vitesses par petits incréments. Le dog non électrique est équipé d'un moyeu à 7 vitesses. Il ne nécessite que peu d'entretien. Vous serez donc tranquille. Retour au Dog-E. Ce modèle est équipé d'un frein à disque à l'arrière qui freine toujours puissamment, même par temps de chien. Le dog non électrique est équipé d'un frein à rouleau à l'arrière. En termes de puissance, il se situe entre le frein à tambour et le frein à disque. Le dog et le doggy ont tous deux des freins à tambour à l'avant. Si votre chien a un besoin urgent de faire ses besoins, vous pourrez vous arrêter en un rien de temps. Vous souhaitez en savoir plus sur le modèle dog de Babou? Rendez-vous vite sur babou.fr/dog.